Bonjour à tout le monde, bienvenue sur News Eddy. Citoyen ça que nous avons regardé là, non pas lui, c'est Gregory Ollé. Monsieur, c'est un unique noir qui est arrivé intégrer effectivement un groupe gang dans Montréal, un groupe mafia, qui est les Angel Wells. Monsieur, dans le domaine longtemps, il a dit, monsieur, reconnaître. Il dans a longtemps. Ça veut dire, monsieur vient faire un leadership tant depuis qu'on parle de gang. Il bâtit mon azam dans gang. Il a un rôle de leader. Et donc, vendredi, finalement, eh bien, il a vu des monsieur à terre Montréal. Plusieurs sources confirment ça. Donc, on a parlé. Et Ollé qui a une connexion avec Hell Angel, en mafia dans Montréal, Canada. Côté qui gagne plusieurs street gangs. Donc, yo fusillé monsieur en plein jour, ok, et en face plusieurs témoins. On va faire en cachette. Ça va passer aux environs de 10h30 lorsque la police te recevoir un report de gunfire dans le parking lot et d'ailleurs Valley des Fort Health Center. Dans la zone Saint-Jean, Richli, il y a une ville qui gagne près de 40 km qui se trouve au sud-est de Montréal. Lorsque l'officier est arrivé, il rejoint effectivement Ollé, une jodia qui gagne, il n'a pas de Gregory Ollé, monsieur gagne près de 51 ans. Ok, so yo joigné et yo confirmé que monsieur mourit. Et police yo dit yo style a cherché yon black SUV qui yo ta utilisé, en fait monde qui fait ça yo ta utilisé pour sauver après yo fin tirer et yo te black bloqué. Et machine monsieur côté que était boulé, il était endufé, machine monsieur il boulé. Et donc police pas qu'à confirmer si il y a l'autre monde et qui t'a mouru dans cadre cause ça. Et Ollé et monsieur son qui sorti à Haïti dans les années 90. Monsieur était le rôle de leader de syndicat, n'a pas dans les années 90. Et c'est par la suite qui effectivement monsieur Vinou Kibolta a plus pouvoir whatever sentiment de grandeur li vient intégrer street gang qui travaille pour Hell Angel et par la suite monsieur Levin tourné un membre de Walker Motorcycle Gang. Attendez bien, Walker Motorcycle Gang qui c'est un subsidiaire de Hell Angel et police dit que et Ollé c'était un confident de Hell Angel Boss. Donc, on voulait parler de Maurice Boucher, le plus gros chef dans la gang. D'après détective qui retired et qui au courant de qui a des données sur l'organisation, ça, comme qui a fait dans la ville là. Et Ollé vini, ça ne décabre les premiers. Black premier black qui effectivement trouvé dans une sorte d'échelon en rôle supérieur dans Hell Angel et monsieur en tant que gang n'a pas bloqué il a arrêté déjà dans les années 2000 dans la machine il était joué balle bulletproof vous comprenez. Et ben, monsieur est dans la prison, il était recevoir plusieurs appels et de la part des officiers qui disent que pour côté que dit faut monsieur aller. OK? Et il y a des gens qui pas veulent et sur monsieur parce qu'il est en pile pression. OK. Mais par la suite, je devine aller dans la prison, enfin, je devine aller dans le tribunal avec monsieur, je devine monsieur guilty. Attendez bien, monsieur passé dans la prison déjà pour drogue, trafic, une conspiration, meurtre. yo te vin libéré en parole novembre 2021. Il dit yo libéré en parole novembre 2021. OK? Et autorité yo te averti que effectivement n'importe bagage il fait le payer prix par la suite. Donc on demande ça passer même. Est-ce que monsieur va gagner faut qu'on pas gagner de choix pour que est-ce que monsieur c'est de plein gré qui te retourner dans bail ça. En tout cas, vie qu'on aime, ça qu'on aime des fois difficile pour quitter les. Malheureusement, j'en ai dit bah là, c'est la donne tout parfois où qu'on joue la mort. OK? Donc, monsieur justement jeune la mort dans cause ça. Très certainement, si à chercher au cas jeune, c'est des gangs dans le même groupe qui ont voulu le tuer, le cas jugé qui prenait monsieur dans la prison. Monsieur dit trop bagaille. Yeah. Donc, on doit prendre dans la prison, le juge dit bon, monsieur dit trop bagaille. Tu vas te supposer, on parle de tout bagaille ça pour faire mon connaît nous. OK? Et d'après le journaliste investigateur Julian Hatchel, qui écrit livre sur groupe gang ça qui est Hell Angel, et Ollé l'ité agit comme un pont entre sa nourriture street gang et Hell Angel et mafia qui servit un pont. Même lorsque monsieur incarcéré au Carambon, t'avais dit monsieur permettre que groupe ça connecté avec l'arrière d'où pendant que l'ité enfermé dans la prison à côté. OK? Et donc, vous pouvez comprendre, on est qui saute dans la prison en novembre 2021, novembre 2022, et 2 ans après, eh bien, et ça passe, c'est ces colères dans le groupe qui t'a soulevé, pour qui, effectivement, pour nous t'a dit, bon, je ne suis pas capable encore, il faut me finir avec monsieur. Malheureusement, et monsieur Allez, bien entendu. Malheureusement, nous voulons parler de Ollé et qui désormais est posé là et au niveau de policiers justement qu'on a dissolvé mais qui au même qui dit que c'est travail yo y a fait. OK? Et donc c'est justement un débat qui était pending, pour qu'on ait finalement est-ce que effectivement monsieur après Finirezville, oh, on dit va Finirezville non, donc définitivement monsieur T voulait Finirezville parce que il va quitter activité ça et dans moment là il mourit dans un peu, on a dit, il mourit dans pied travail, bien entendu, dans son rêve, mais il est mourir. OK? Et monsieur était aidé et des gangs pour s'endarrer, il y a un biker, pour qu'il y ait une sorte de guerre, de wage avec Rivalio, surtout vers les années, attendez bien, 94 et 2002. Donc c'est monsieur qui, justement, t'a aidé s'endarrer, un biker. Guerre de salaire, combien paye, okay? Peut-être qu'il même les toujours qui pas suffisant. Et donc son équipe il a expliqué à maintes reprises tout a défié l'autorité. Donc finalement et bah bon, on a remarqué vraisemblablement c'est peut-être au sein du même groupe gang qui décidait éliminer monsieur, c'est des choses qui fait assez souvent.